c'est ça. C'est cool. Combien vous soyez nombreux aujourd'hui? Raphaël, tu as fait tes preuves jusqu'à hier. Ton arcade sourcilière le prouve encore d'ailleurs. Hein, dans notre petite duelle. Tout est bien cicatrisé. Tout va bien. Alors je pense que tu mérites quelque chose. H2. Tu es avec nous depuis plusieurs années maintenant. Nous te faisons confiance. Tu es jeune mais pas assez imprudent, c'est très bien. C'est-à-dire que tu peux vivre longtemps, ce qui m'arrange. Et donc, aujourd'hui, devant cette assemblée, tu vas recevoir l'adoubement. C'est-à-dire que tu vas devenir chevalier. Ça ne se produit qu'une seule fois dans la vie. Pour ceci, et donc pour service rendu à la communauté, et à Dame Isabelle, et à moi-même en particulier. Réfléchis bien au serment que tu vas prêter, car il ne peut se rompre. Tu devras être loyal et généreux. Tu ne répondras pas aux provocations, mais si la querelle est inévitable, tu iras jusqu'au bout. Tu devras également prêter assistance à tous ceux qui en auront besoin. Tous et toutes. Et tu honoreras tes serments. Tu seras fidèle en amitié et en amour. Tu ne trahiras jamais ta parole. Enfin, tu seras donc le champion du droit et du bien contre l'injustice et le mal. Pour ceci, moi, Astar de Loriga, au nom du comte du Forêt, mon suzerain, et au nom du roi de France, je t'arme chevalier. Et ceci, pour t'en souvenir, je fais. Voilà. Et donc, vous pouvez l'acclamer des orfèvres. On pourra le nommer Messire Raphaël. Je te remercie.